les belles, alors je reviens avec un tag, donc j'ai été taguée par, je vais vous dire ça, donc Tsetse Lily Tuage, donc sur Facebook, elle m'a envoyé deux tags, j'en fais un donc aujourd'hui, et c'est le tag Everything on my phone, donc tout sur mon portable et sur l'histoire de mes portables. Alors je vais commencer tout de suite donc, par la première question. Quelle est la marque de ton portable? Donc, mon portable est un BlackBerry, je crois, Torch. Ouais, je crois que c'est BlackBerry Torch. Donc, c'est celui-ci. Donc, j'ai lui mis une coque un peu zébrée derrière. Bon, là, celle de devant, je l'ai cassée. Donc, bon, bah, bref, il reste celle de derrière. Donc, numéro 2. Quel est ton fond d'écran? Je vous montre ça, mon fond d'écran. Alors, ça dépend. Des fois, il change. Donc, alors, là, en ce moment, c'est celui-ci. Donc c'est une photo avec ma petite puce ici, donc après ça dépend, des fois je mets moi, mon mari, ma fille, donc ça dépend. Alors à quel âge as-tu eu ton premier portable? Alors mon premier portable je l'ai eu quand il a fallu que j'aille à la fac, donc mon papa pour rester en contact avec moi m'a dit bon allez Zou, on va t'acheter un portable. Donc vraiment avant il voulait vraiment pas du tout, et puis là comme j'étais loin de chez moi de 30 km je crois, la fac était à 30 km donc à Aix-en-Provence exactement, donc j'ai eu donc le portable pour pouvoir joindre mes parents. Alors oh oui, c'était aussi un donc pour le coup c'était un Sony. Vous savez le Sony, je sais pas, alors celles qui ont mon âge, hein, ont dû peut-être elles l'ont peut-être connu. Donc c'est le Sony qui ressemblait un peu à une télécommande. Donc aujourd'hui, franchement, ça doit être vraiment laid à avoir comme portable. Et qui avait en fait une petite roulette sur le côté. Donc franchement, il était super joli, moi je le trouvais super beau. Donc voilà, c'était un peu un Sony un peu long. Donc c'était mon premier portable. Ensuite, donc à quel âge as-tu? Donc, es-tu accro à ton portable? Oui, je suis accro à mon portable. Franchement, je peux pas. Si je l'ai pas sur moi, je me sens pas bien, je sens qu'il me manque quelque chose. Et je suis toujours en train de me dire, ah, et s'il m'arrivait une urgence, et s'il m'arrivait un truc, et si. Alors je peux vraiment pas m'en passer. Et surtout qu'avec une fille de 5 ans, je peux pas me permettre. Justement, ça sonne. Je peux pas me permettre de pas avoir donc de portable s'il lui arrive quoi que ce soit. Voilà. Alors, l'autre question, donc la cinquième question, préfères-tu les SMS ou parler directement? Alors ça dépend des fois, mais c'est vrai que ça dépend avec qui et de quel sujet. Donc franchement, des fois je préfère parler en texto parce que bon, voilà, c'est pas la peine de rester une heure au téléphone à parler. Mais maintenant, quand j'ai vraiment une histoire avec plein de détails à raconter, les SMS c'est pas le top, donc j'appelle pour pouvoir donner tous les détails. Voilà, donc numéro 6, depuis quand as-tu ton portable actuel? Alors celui-ci, je l'ai depuis, que je me trompe pas, je crois depuis 2 ans maintenant. Donc j'avais un Samsung je crois. Voilà. As-tu déjà cassé par SMS? Non alors, numéro 7, as-tu déjà été chopé avec ton portable en cours? Non, parce qu'en fait mon premier portable je l'ai eu à la fac, et à la fac bon ben ils s'en foutent un peu de que vous utilisez votre portable dans l'amphi ou quoi, donc non j'ai pas été chopée, donc ça c'est je pense pour la génération qui est juste après moi, donc voilà. As-tu déjà cassé par SMS? Cassé par SMS, non, j'en ai pas le souvenir en tout cas. Quel est le portable de tes rêves? Le portable de mes rêves. Alors franchement, je voulais absolument l'iPhone 5, mais avec tout ce que j'entends comme problème avec l'iPhone et tous les soucis qu'ont les gens qui ont des iPhones, et franchement, je veux de moins en moins acheter d'iPhone. Donc là, ce que je voudrais, c'est je crois le Nokia Lumia. Je crois que c'est ça que j'ai vu, donc vraiment, vous savez, le téléphone qui est assez large, donc peut-être celui-ci. Alors, et numéro 10, quelles sont les applications que tu utilises le plus? Alors, sur mon portable, je vais vous dire les applications que j'ai. Alors, vous allez voir, donc ici, j'ai Twitter. Donc, le plus, celle de Twitter, celle de Leven, donc de l'appel à la prière, donc que j'ai téléchargé sur le App Store donc, de BlackBerry.
Donc pour avoir les horaires de la prière, donc celle que je mets le plus souvent, donc Facebook, donc bien sûr YouTube, ça aussi, voilà celle-ci, donc dans quoi d'autre, j'ai mis Groupon aussi, donc pour pouvoir être au courant des ventes de Groupon. Ensuite, j'ai mis dernièrement MyFitnessPal, donc en fait ça permet de calculer les calories, le sport que vous faites, en fait dans la semaine. J'ai mis British Airways, donc ça je l'ai utilisé qu'une fois, donc c'est pas souvent que j'utilise. La banque postale pour suivre mes comptes. Mais celle que j'utilise le plus souvent vraiment c'est Twitter, YouTube, Facebook, voilà. Et bien sûr l'appel à la prière, j'y vais pas tout le temps vu que ça sonne tout seul. Donc voilà, je fais un bisou donc à Tsetselili Duage encore une fois pour le tag et je vous fais de gros bisous. Si vous aimez le tag, bien sûr, appuyez sur le pouce en l'air. Si vous voulez d'autres tags, vous me le demandez donc en commentaire en dessous de la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo mes belles. Bisous.